Bonsoir. Bonsoir, Pida Valronan. Les colocs pour vous servir. DJ Marcel, musique. Voici l'histoire d'amour abracadabrantesque de Stéphanie Popotam et de Colette la Belette. Ils habitaient Guingamp, elle était vendeuse de chaussettes. Quant à son prétendant, il épluchait les courgettes. Ils se sont rencontrés dans une cité universitaire où leur ami la chef fêtait son anniversaire. C'était une beuverie, il y avait plein d'infirmières. Ils s'enfilaient des shots de vodka camembert. Ils voulaient des enfants, les popos. Mais elle a bien trop peur de son grand haricot. Morbleu, que c'est douloureux. Oui, Belette, de se prendre un extincteur en guise de quéquette. Il était bienveillant, mais c'était un chenapan. Il faisait le pit, c'est ce qu'elle trouvait attirant. Mais il y avait le manchot que la Belette trouvait beau. La faire rugir de plaisir, c'est ce que cherchait le gadjo. Stéphane optimiste était intermondialiste. Il se fit insulter de cucurbitacé, de sale goudou avec des reflets rouges. Mais il n'a pas bronché car il savait qu'elle l'aimait. Il voulait des enfants, les popos. Mais elle a bien trop peur de son grand haricot. Morbleu, que c'est douloureux. Pour une Belette, de se prendre un extincteur en guise de quéquette. Pour qu'elle change d'avis, lui propose une orgie avec des ornithorynques vêtus d'un simple bikini. Un bout de jambon et un bouquet de rhododendron pour caresser l'espoir de la prendre à califourchon. Vu qu'elle s'y oppose, il tente à l'hypnose. Elle lui dit sans retenue, bon ta cam la fout dans le cul. Mais l'encéphalogramme de Stéphane indique une panne. C'est grâce au Viagra qu'il put monter sa banane. Il voulait des enfants, les repos. Mais elle a bien trop peur de son grand haricot. Morbleu, que c'est douloureux. Pour une Belette, de se prendre un extincteur en guise de quéquette. À la télévision, il y avait un film d'action entre Pikachu et un hippocampe fantôme. C'est là que Colette eut une révélation. Tu perceras mon trou si t'actives ton sébum. En cette matinée très ensoleillée, elle en eut assez qu'il veuille un chrono flageolé. Elle lui fit donc croire qu'elle avait des hémorroïdes en mélangeant du cloug avec du ketchup très liquide. Nous n'avons pas le même acide désoxyribonucléique. Je suis désolé, mon ange. Attends, je peux la faire. Je vais la faire, j'ai craché en fait à ce moment-là, donc ça me fait. D'accord, non. Après, ça va prendre ses chiens. 3, 4. Nous n'avons pas le même acide désoxyribonucléique. Je suis désolé, mon ange, mais c'est véridique. Il la traita de pétasse en lui balançant une tapasse en plein dans le visage, et ce fut un carnage. Il voulait des enfants, les popos. Mais elle a bien trop peur de son grand haricot. Morbleu, que c'est douloureux. Pour une Belette, de se prendre un extincteur en guise de quéquette. De se prendre un extincteur en guise de quéquette. De se prendre un extincteur en guise de quéquette. Face à la mer, on peut tous grandir. Alopécie, trop jeune pour mourir.